la côte d'Amboise où va se jouer la course. 11 hommes s'échappent. La fatigue, les chutes, les crevaisons font leurs habituels ravages. Le mur de Bléré ne départagera pas les 5 coureurs. Il est rejoint au mur de Bléré par Ité, Camellini, Lope, Caput et Minia. Et c'est l'envolée des 6 coureurs vers le vélodrome de Tours où Louis Caput bat ses rivaux, enlevant le record de l'épreuve avec 43 km de moyenne. Chartres, Bobet, Néry et Locke prennent 400 mètres d'avance. Au pied du mur de ce qu'on appelait le mur de Bléré à l'époque. Antoine Magne revient à ma hauteur. Bon, vous n'allez pas l'emmener jusqu'à l'arrivée, celui-là. Ça commençait à bien faire. Et le coureur est passé devant, puis selon le terme cycliste, je l'ai flingué de derrière. Je suis parti tout seul dans cette côte, mais il me restait 25 km à faire. Now then. This is going to aid him just a little bit, a slight climb, because the rhythm will have gone out of Lotto, because as they go through the group that was up in front, it's probably going to disrupt their chasing activity. And, well, it looks like Brian Holm coming across now for Tulip. And... but he's going to be pulled back. You see that Lotto put a marker up. They're not going to let him get away with it. And I see Yekimov moving up right now with only about 25 kilometres to go. One or two of these very, very fast riders like Yekimov, like Van Tempe, like Nydam, like Marson can go screaming down the other side of the road. If they just pace it easy as a fraction, I think we're going to find one or two chancing their arm yet again.